commençons cette cinquième leçon de thérapie pastorale pour les victimes des sciences et des pratiques occultes. Nous attestons que nous sommes couverts, protégés, lavés par le sang de l'agneau. Et par conséquent, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous faire du mal. Gloire au Seigneur. Dans cette leçon, nous allons étudier le phénomène suivant. L'écriture automatique. La cryptesthésie. Là, dans la cryptesthésie, nous allons voir les rêves prémonitoires. Et après le rêve prémonitoire, nous allons voir la télépathie. La télépathie, son tour de pratique occulte. Et nous nous arrêterons là, tandis que la leçon 6 sera consacrée à la pratique occulte qu'on appelle la voyance. L'écriture automatique est toujours étudiée par le professeur et pasteur, le docteur Kurt Koch, spécialiste dans la délivrance, les traitements, les soins pastoraux pour les victimes des pratiques occultes. Et alors, voici comment commence cette leçon concernant l'écriture automatique. Les personnes prédisposées à être médiums sont capables d'écrire. Donc, les médiums, c'est-à-dire ceux qui expérimentent la transe pour parler, être en contact avec le monde de l'au-delà, avec les esprits démoniaques, les esprits des morts, sont capables d'écrire tant à l'état conscient qu'en état de transe, des phrases, des mots et des lettres en l'absence de toute réflexion. Et j'ai déjà vu ça dans l'église du Congo-Brazzaville, pendant l'Ntikumusu, ce qu'on appelle le réveil. Les gens se mettaient à écrire, là, ils écrivaient des écritures qu'on ne savait pas lire. Mais eux peuvent les lire. Et eux disaient qu'ils étaient possédés par l'esprit qui leur donne d'écrire et qu'ils écrivaient ça inconsciemment. Dès que tu entends ça inconsciemment, tu sais que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas, n'est-ce pas, vous contrôler inconsciemment, mais va plutôt travailler avec vous consciemment. Même votre conscience, l'Esprit de Dieu va la rendre, votre inconscience, il la rend consciente. Parce qu'il va illuminer même les ténèbres de votre vie. L'Esprit, alors, ces gens-là qui entrent en transe, les médiums, peuvent écrire en transe ou consciemment ou inconsciemment des phrases, des mots, des lettres en l'absence de toute réflexion. Les spirites acceptent ces écrits comme des messages de l'au-delà. Mais beaucoup de parapsychologues les attribuent à des automatismes moteurs. Et ne pouvant citer des exemples de ma propre expérience pastorale, nous dit Kurt Koch, mais moi j'ai des expériences que j'ai vues au Congo-Brazzaville, les gens qui écrivaient comme ça, et lui il va puiser cela dans le livre. Alors Tischner, en tant que parapsychologue, n'examine que le phénomène occulte sans marquer le moindre intérêt pour la cure d'âme. Il relate dans son ouvrage paru en 1950 des cas qui intéressent vivement le pasteur. Voici comment il présente l'un d'entre eux. Et 3, c'est-à-dire 4 tirés de la littérature. Il faut prévenir le public qu'il est dangereux de s'adonner sans réserve à cette occupation attrayante, l'écriture automatique, et qu'il serait prudent de se laisser conseiller par un spécialiste. Celui-ci insistera d'abord pour qu'on se livre à cette pratique avec retenue, sans céder à n'importe quel désir ou impulsion. Autrement, on pourrait en arriver à ne plus être le maître, mais le serviteur, voire l'esclave de son propre corps, condamné à obéir par crainte des conséquences fâcheuses. À ce propos, j'ai un jour une expérience pénible. Je me retrouvais en compagnie d'un couple dans une pâtisserie, nous dit Tischner,
La femme, très adonnée à l'écriture automatique, ressentit tout à coup le besoin d'écrire. Comme son mari lui faisait remarquer l'inconvénience de la chose, la main de la dame s'est mise à tambouriner fortement sur la table de marbre, au point d'attirer l'attention des voisins, ce qui nous incita à quitter promptement le lieu. Tischner lui-même témoigne donc qu'en exerçant ses activités occultes, l'homme peut perdre la maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi est un fruit, une qualité de l'esprit. Les spécialistes purement laïcs, en sa qualité de savant, confirment entièrement la constatation de l'évangéliste, à savoir que de telles pratiques peuvent provoquer le dédoublement de la personnalité humaine. Les manipulations occultes entraînent une concentration d'énergie qui rompt l'équilibre de la constitution psychique. L'observation de Tischner, appuyée par le psychiatre Moll dans son ouvrage Une carrière de médecin de l'âme, l'occultisme constitue pour la santé un tout autre danger. Je rappelle que l'écriture automatique elle-même, exercée et cultivée par des personnes maladives, peut provoquer des graves phénomènes de schizophrénie. Et j'ai vu ça en observant calmement dans un séminaire de réveil, d'une conférence de réveil au Congo-Brazzaville au début des années 90, j'ai vu de vrais schizophrènes qui écrivaient automatiquement. J'ai observé personnellement, nous dit Tischner, des cas où des patients souffrant au début de légers troubles psychologiques ont vu leur maladie s'aggraver par l'écriture automatique au point de subir finalement une véritable désagrégation psychique. Nous devons donc faire attention à cela comme chrétiens. Quand vous allez dans un mouvement religieux ou spirituel où on vous parle de don d'écriture automatique, lorsque vous voyez que ces gens-là écrivent en transe et non pas en extase, en transe, sans être dirigés par Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit, vous allez discerner ce qu'ils écrivent là, parce que ne méprisez pas les prophéties, mais faites attention aux esprits, discernez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Et si vous constatez que ces personnes sont comme dédoublées, c'est-à-dire la personne qui écrit est différente de celle que tu connais réellement, il y a un problème. Cette schizophrénie est un signe de possession démoniaque. La cryptesthésie. Alors ici, il y a déjà la question, qu'est-ce que l'écriture automatique? Donc, je vous donne les questions en passant. Qu'est-ce que l'écriture automatique? Deuxième thème, la cryptesthésie. La cryptesthésie, c'est la sensibilité dont la nature nous échappe, qui permet au médium, par exemple, de prendre connaissance du monde extérieur par des voies autres que celles du sens commun. Il sent, sans voir, il sent quelque chose là qui se passe telle part. Il s'agit d'un phénomène qui suscite beaucoup d'intérêt parmi les psychologues et les parapsychologues contemporains. Richard Bayerwald, en particulier, a consacré deux ouvrages à l'analyse de ce sujet. Le phénomène intellectuel. Comment les gens intelligibilisent des choses, comprennent intellectuellement des choses à distance. Occultisme, spiritisme, état psychique subconscient. Plus récemment, le spécialiste américain Rhine, R-H-I-N, a écrit un livre sur la perception extrasensorielle, au-delà du sens. The Reach of the Mind. Les savants attribuent la cryptesthésie à la perception sensorielle plus développée a priori chez certains individus. Pour eux, il y a certains individus qui sentent des choses à venir en train de se réaliser. Et dans la cure d'âme, l'état psychique du voyant nous préoccupe davantage que les questions psychologiques et parapsychologiques. Les exemples recueillis au cours de mon ministère, nous dit Courtecoq, seront examinés séparément en quatre sections. Première section, les rêves
prémonitoire. Deuxième section, la télépathie. Troisième section, la voyance. Prémonitoire, télépathie, voyance. Nous sommes au cours et il faut être patient. Quatrième question, le second sens ou la cryptesthésie sensorielle. Voilà les quatre points que nous abordons dans cette leçon. Les rêves prémonitoires. Il y a une grande divergence parmi les autorités médicales quant à l'importance de ce qu'il faut attribuer aux songes. Pour beaucoup de psychologues et de médecins, les rêves des adultes ne sont qu'une suite d'images décousues et de fragments d'événements incohérents vécus la veille. Mais de nombreux psychothérapeutes et psychanalystes considèrent le songe comme de précieuses clés permettant de pénétrer le processus de l'inconscient. Cette école voit dans le songe des adultes une combinaison du résidu de la journée et des pulsions infantiles. Et ce résidu comprend toutes les impressions, les expériences déprimantes, les conflits non réglés, les envies non satisfaites, transposées dans le rêve pour s'exprimer librement, parce que la journée, ces choses ne peuvent pas s'exprimer librement à cause des interdits et des principes sociaux. Par pulsion infantile, nous entendons tous les désirs libidineux et égoïstes frustrés surgissant au cours du développement de l'enfant. Et selon cette théorie, les deux facteurs envisagés constitueront les réservoirs latents des fantasmes et de rêves, à savoir les expériences, les désirs, tout ça frustrés, non réalisés, la journée de la vie active et les désirs libidineux. Dans la perspective de l'enquête de notre pasteur Koch, le problème de l'explication des songes est de moindre intérêt que la question suivante, qui relève de la cure d'âme. Y a-t-il forcément une relation entre la cryptesthésie et la conscience psychique du sujet? Pour y voir plus clair, examinons quelques exemples de rêves prémonitoires. Une Suissesse raconte avoir rêvé une nuit d'un violent incendie. De nombreux détails de cette vision restèrent gravés dans sa mémoire. Le lendemain, les quotidiens publièrent des photographies du sinistre correspondant exactement à ses observations. Le domicile de la personne est situé à 200 km environ du lieu de l'incendie. Comment a-t-elle capté cet événement pendant qu'il se produisait de loin ou avant qu'il ne se produise? Le parapsychologue, lui, va chercher à comprendre le mode de transmission extrasensorielle. Comment le gars du sens, il a pu par télépathie capter cela. Mais le pasteur, lui, se préoccupe de savoir si la jeune fille a subi un ébranlement psychique à la suite de cette expérience. Il n'y a aucun indice de sens. Et on va plus loin. Est-ce qu'il a un don spirituel pour voir ces choses? C'est aussi une question pastorale. C10. Une femme chrétienne vit une fois en songe un parent habitant à 250 km tombé malade. Elle fut frappée par la façon étrange dont les doigts du malade se recroquevillaient. Quelques temps après, elle connut le diagnostic du médecin. Cet homme était atteint du malade de Dupuytren. La maladie de Dupuytren, qui est une rétraction de l'aponevrose palmaire superficielle provoquant une flexion irréductible des doigts. Le parapsychologue va dire, il s'agit ici d'une simple affaire de télépathie.
Sur le plan médical, il faut signaler que cette femme souffre depuis des années d'une psychonévrose, se manifestant sous forme de dépression réactive réitérée. Du point de vue de la cure d'âme, notons quelques particularités. Depuis sa jeunesse, la personne en question s'était occupée de la signification mystique des songes. Avant l'âge, les rêves se multiplient et les facultés télépathiques s'accrurent. Cette aptitude est donc susceptible de développement, semble-t-il. Dans la vie spirituelle de la femme, on ne relève pas les conséquences habituelles des activités occultes signalées dans la section du spiritisme. Donc, il semble ici, dans ce cas 10, que l'expérience de cette femme est beaucoup plus une expérience spirituelle prophétique, biblique, qu'une expérience occulte. Donc, il ne faut pas tout confondre, discerner les esprits. Cas numéro 11, je suis à la page 48. Vous pourrez lire encore ce cas numéro 10. C'est pourquoi je vous ai dit de vous procurer le manuel. Cas numéro 11, le cas suivant présente un nouveau genre de prémonition. Un jeune homme que j'avais connu depuis son enfance, nous dit Coutcock, fut hospitalisé pour une intervention chirurgicale. La nuit suivant l'opération, il poussa un si grand cri que tous les malades dans sa chambre se réveillèrent. Il se mit à gémir et cria à plusieurs reprises « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Au réveil, un de ses compagnons lui demanda des raisons de son comportement. L'interpellé raconta alors qu'il avait vu quatre hommes en noir le placer dans un cercueil. Après une vive résistance de sa part, une figure blanche était subitement apparue, lui révélant qu'il avait encore 6 mois à vivre, qu'il veuille bien s'en rappeler et se convertir. À l'instant même, les quatre hommes en noir disparurent. Jusque là, nous tenons le récit de l'intéressé lui-même. La suite nous a été fournie par sa sœur. La plaie se cicatrisa avec une rapidité étonnante, mais le grave avertissement du songe ne resta point sans effet. Le jeune homme eut le bonheur de pouvoir commencer par la foi une vie nouvelle dans la crainte de Dieu. Au bout d'une demi-année, il fallut répéter l'opération. Le chirurgien dit au patient qu'il s'en tirerait certainement à nouveau et qu'aucune complication n'était à redouter. Le jeune homme répliqua qu'au contraire, il mourrait dans la nuit. Le médecin se moqua de lui. Ce soir-là, le malade réclama la présence de son beau-frère, croyant sincère, qui pria avec lui. Au cours de la nuit, il expira 6 mois exactement après ces fameux rêve que j'appelle songe. Et pour moi, ce n'est pas un songe prémonitoire, mais prophétique. Le psychologue verra dans ce songe le résultat de 2 composantes, la crainte de la mort et les sentiments de culpabilité. Mais le pasteur, il va émettre de sérieuses réserves vis-à-vis de cette situation psychologique, voyant la réalisation de la prophétie, de l'avertissement qu'il avait reçu, probablement de la part du Seigneur qui est venu en blanc, éloigner la mort de 6 mois pour préparer son âme, afin que son âme entre dans sa félicité. Voilà donc, pour ce qui concerne le rêve prémonitoire, il faut le distinguer de songes prophétiques. La télépathie est un procédé par lequel on parvient à la connaissance sans l'intermédiaire des sens. La télépathie. Alors, vous devez noter et répondre à la question à la fin, qu'est-ce que la télépathie? Un procédé par lequel on parvient à la connaissance sans l'intermédiaire du sens. Il faut distinguer la transmission et la lecture de pensées, la télépathie mixte, télépathie et voyance simultanée, la télépathie triangulaire, une collaboration de l'émetteur, du transmetteur et du récepteur. Et enfin, la télépathie psychométrique, par laquelle un médium est capable de donner des renseignements paranormaux sur le propriétaire d'un objet qui lui est présenté. Alors, vous devez savoir bien définir qu'est-ce que la télépathie mixte. Télépathie et voyance simultanée. Qu'est-ce que la télépathie triangulaire?
une collaboration de l'émetteur, transmetteur et récepteur. Et enfin, qu'est-ce que la télépathie psychométrique? C'est la thérapie par laquelle un médium est capable de donner des renseignements paranormaux sur le propriétaire d'un objet qui lui est présenté. Quelqu'un lui présente un objet, puis il vous donne des renseignements sur cette personne qu'il ne connaît pas. Comme dans tous les cas des manifestations parapsychologiques, ce ne sont pas les expériences, mais les personnes douées d'aptitudes télépathiques qui retiennent l'attention du pasteur. Et s'il faut procéder à un classement dans l'optique de la cure d'âme, nous aurons établi une distinction entre les cas de télépathie spontanée et les cas de l'expérimentation délibérée. Commençons l'exposé d'une série de cas spontanés. C12. Au cours de la guerre, un pasteur vit subitement son fils combattant au front, étendu devant lui et baignant dans son sang. Le père pensa aussitôt qu'un malheur était survenu au jeune homme. 3 semaines plus tard, il fut avisé du décès de son fils. Les jours et l'heure correspondaient rigoureusement au moment de la vision. Est-ce de la télépathie? Non. Vous voyez ici, le pasteur a eu une révélation de Dieu. C13. Un prêtre catholique eut une nuit la vision de son père lui annonçant qu'il venait de mourir. Le prêtre regarda sa montre et prit note de l'heure. Le lendemain, un télégramme annonçait le décès survenu au moment même de l'apparition nocturne. Est-ce de la télépathie? Non! C'est une révélation de Dieu. C14. Un évangéliste priait dans sa chambre. Soudain, la porte s'ouvrit et son frère soldat en première ligne entra. Elle s'écria: alors Pierre, tu as une permission? À cette question, l'apparition s'évanouit. Quelques jours plus tard, arrivait la nouvelle du décès du jeune homme. Une fois de plus, le jour et l'heure correspondaient avec l'instant de la vision. Et c'est de la télépathie? Non! C'est une vision du Seigneur. C'est 15. Un pasteur... Dois-je? S'excuse. Un pasteur... C'est 15. Un pasteur partait en tournée de visite. À peine en route, depuis 10 minutes, il fut saisi d'une grande angoisse et revint à la maison. À son approche, il fut épouvanté de voir son fils âgé de 5 ans se promener sur le toit pour jouer au ramoneur. Le père put sauver l'enfant de sa situation périlleuse. Est-ce de la télépathie? Non! C'est le Seigneur par son esprit, saint qu'il a rédigé, le même Seigneur qui a conduit et Pierre vers ici, qui a conduit Pierre vers le centenier, et qui a révélé au centenier où était Pierre, le même Seigneur qui a révélé à ses pasteurs ce qui s'est passé derrière lui et comment les diables voulaient le ridiculiser alors que lui aller en tournée de visite pour aller aider les autres. C'est pourquoi nous devons prier toujours pour nos familles quand nous sommes en plein ministère. C'est important que nos familles soient sous la protection de Dieu. Vous voyez comment dans ces cours nous apprenons beaucoup de choses qui sont bibliques. C16. Une forme de télépathie étrange et significative m'a été rapportée en Suisse. L'épouse d'un missionnaire habitait la banlieue d'une agglomération. Un chrétien faisait souvent pour elle des achats en ville sans l'avoir préalablement consulté. Elle s'étonnait de le voir chaque fois rapporter les denrées et les objets auxquels elle avait pensé en faisant son ménage. Le fait est que ces personnes avaient toutes deux des dispositions à être médiums. Par ailleurs, elles se signalaient par des capacités suprasensorielles. Ici, nous avons affaire à des pratiques occultes. Et 4. Un curieux, mais là ce ne sont plus les exemples de cliniques pastorales, mais des lectures de notre auteur. Nous devons être des grands lecteurs. Hein? Un curieux exemple historique se trouve dans l'ouvrage de Jung Stilling, Connaissance des esprits. Le roi Auguste II de Pologne était lié d'amitié avec le roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse et avec le maréchal von
Grumbekov, von Grumbekov. Le 1er février 1773, à 3 heures du matin, von Grumbekov remarqua la lueur de sa lampe de chevet que le roi Auguste pénétrait dans sa chambre et écartait le rideau de l'alcôve. Le maréchal étonné entendit le roi lui dire « Mon cher Grumbekov, je viens de mourir à l'instant à Varsovie. » L'officier prit note de l'événement et en avisa le roi de Prusse. 46 heures après, un courrier à cheval apporta de Varsovie la nouvelle officielle du décès du roi de Pologne. L'apparition nocturne et l'heure du décès coïncidaient exactement. Si nous considérons les 5 premiers cas exemples, nous pourrons ranger les cas que nous venons de voir ici, C12, C13, C14, C15, nous les rangeons parmi les rubriques plutôt des prophéties, des révélations de Dieu, tandis que C16, c'est la télépathie occulte. Et E4 est difficile à ranger. C17. Une jeune fille de 20 ans était fiancée à un marin. Chaque soir, elle pensait à celui qu'elle aimait de tout son cœur. Elle s'éveilla une nuit, très angoissée à son sujet. Elle pria Dieu de bien vouloir le protéger des dangers de la mer. Peu après, elle reçut une lettre de sa part décrivant une terrible tempête en mer du nord, durant laquelle l'équipage du marin avait perdu tout espoir de s'en tirer. Au plus fort du péril, le jeune homme avait saisi la photographie de celle qu'il aimait et pensait intensément à elle. Ce fut le début d'échanges télépathiques, non? Ici, monsieur Coutecoque, il ne s'agit pas d'échanges télépathiques. Mais le danger, c'est qu'après cette expérience, je connais la suite, ce fut le début d'échanges télépathiques réguliers entre les deux fiancés. Je suis en train de discuter avec le livre. Avec le temps, ils arrivèrent à se transmettre leurs sensations et leurs pensées malgré l'éloignement. La jeune fille atteignit un tel degré de réceptivité qu'elle partageait de manière maladive toutes les expériences du jeune homme. S'il était malade et souffrant, elle participait à sa souffrance. S'il prenait médicaments, elle en percevait l'odeur et le goût. Au début, un tel transfert était une joie et un bonheur. Peu à peu, il devint pour la jeune fille un fardeau et même une réelle souffrance. Le jeu initial s'était transformé en un esclavage, voire en une possession dont la jeune fille n'arrivait plus à se libérer. Elle consulta un neurologue qui essayait de lui venir en aide par l'hypnotisme. Or, au cours d'un entretien, cette jeune fille me confessa qu'elle était tombée de Charib en Scylla. Elle avait effectivement été débarrassée de la liaison télépathique avec son fiancé, mais elle était passée sous l'influence du médecin auquel elle pensait constamment, bien qu'elle n'eût aucune inclination pour lui. Le médecin qui l'avait hypnotisé l'a rendu plus malade encore. Et ici, le phénomène occulte a rendu cette femme possédée de démons. Les parapsychologues qui s'intéressent aux phénomènes peu ordinaires de transmission d'odeurs, de goût, de joie, de peine, va voir dans ces cas comme une confirmation de fait notoire qu'un profond amour réciproque provoque. Le médecin va s'arrêter d'abord au fait que la jeune fille a été délivrée par hypnose de la réceptivité envers son fiancé, mais qu'elle est tombée par la suite dans une dépendance psychique, une dépendance affective à l'égard du neurologue. Mais les pasteurs, c'est bon, on a constaté que la télépathie pratiquée des années durant, entraînant un déséquilibre psychique, et la jeune fille en question avait acquis de cette manière de facto digne de médium, et un médecin qui s'était livré à ce genre d'expérience pendant 18 mois a pu en constater les effets fâcheux sur son propre psychisme. Voilà, maintenant, nous avons encore le temps, au lieu de réserver la leçon 6 à la voyance, nous allons aborder la voyance
dans cette leçon 5, la voyance, juste après la cryptesthésie. Qu'est-ce que la voyance? Nous entendons par voyance la perception extrasensorielle de faits réels jusque-là ignorés. C'est ainsi que Tischner définit le don particulier qui permet à certaines personnes de discerner des aspects cachés du passé. Il y a des gens qui discernent des aspects passés, n'est-ce pas, du passé. Ils le voient. Ils peuvent discerner des aspects passés, des aspects du présent, des aspects de l'avenir. Le voyant lui-même nous intéresse plus que ses attitudes, car notre étude porte sur, non sur les problèmes parapsychologiques, mais sur la cure d'âme. C18. Un de nos amis marchait au centre. Alors ici, la question, qu'est-ce que la voyance? Qu'est-ce que la voyance? Perception extrasensorielle de faits réels jusque-là ignorés. Ces faits peuvent être du passé, du présent ou de l'avenir. Exemple, C18. Un de nos amis marchait au centre d'une grande ville. Au milieu de l'agitation générale, il perdit soudain conscience de ce qui se passait autour de lui. Il vit à la place un cimetière inconnu, une grande assemblée de personnes en deuil, un ecclésiastique, une fosse ouverte, un cercueil lui-même debout près de la tombe. Après la locution du pasteur, à la demande de la famille, il cita un texte biblique qu'il commença brièvement. Il eut cette vision en plein jour au milieu de la cohue des passants et fut incapable d'en mesurer la durée. Il jeta un coup d'œil inquiet autour de lui pour s'assurer que personne ne s'était aperçu de sa distraction. Il ne put rien remarquer. Il avait dû poursuivre sa marche avec sûreté d'un somnambule. Le jour même, il reçut la clé de l'énigme. Un télégramme lui apportait la nouvelle d'un décès avec la demande de parents de bien vouloir délivrer un message devant la tombe de leur fils. Il se rendit donc dans la localité et vit se réaliser en détail toute la vision, ce lien avec la vision, la disposition des personnes, les arrangements floraux, les déroulements de la cérémonie, tout concordait avec ce qu'il avait entrevu à 160 km de là. Naturellement parlant, sur le texte biblique qui lui avait été indiqué. Enfin, d'éviter toute fausse conclusion, ajoutant que mon ami ignorait la maladie de la personne décédée et qui n'avait jamais pénétré auparavant dans le cimetière en question. Par ailleurs, il est un chrétien convaincu et un évangéliste bien connu. Alors, les parapsychologues vont parler de communication télépathique. Mais le pasteur va plutôt parler des révélations du Saint-Esprit qui a préparé les serviteurs de Dieu à faire face à cette situation. Cas numéro 19, C19. En 1934, un homme publiait une lettre circulaire qui m'est tombée entre les mains l'année même et qui contenait des prédictions, des visions prémonitoires. Il annonçait dans un style prophétique que l'armée allemande envahirait la Pologne et la France à une allure hallucinante. Sa prédiction s'accomplit 5 ou 6 ans plus tard. Il est possible que l'explication de Schmeling soit valable dans ce cas. Cet homme était peut-être doué d'une grande intuition politique qu'il a développée dans une sorte de pensée claire. Mais personnellement, je pense qu'il avait plutôt l'intuition prophétique et que Dieu lui avait averti. Cas numéro 21, page 59. Une femme ayant cherché conseil auprès du berger subit dès lors des atteintes psychiques. Elle avait l'impression d'être poursuivie par des furies. Jamais elle n'avait eu de pareilles sensations auparavant.
d'un berger qui travaillait dans une ferme. Cas numéro 22. Un jeune homme exorcisé par les 10 bergers, qui était un exorciste, avait été effectivement guéri d'un mal organique. Mais dès ce moment, après cette guérison par ce berger, il eut des accès de fureur, des idées blasphématoires envers Dieu et le Christ, ainsi qu'un dérèglement sexuel. Cas numéro 23. Une famille avait eu recours à ses pâtres pour découvrir l'auteur d'un vol et pour conjurer leur bétail. Ces bergers qui avaient des dons occultes. Et dès ce jour, les membres de la famille purent observer des transapparitions de revenants dans leur maison. Ces bergers conjurateurs étaient réellement possédés des esprits démoniaques. La clairvoyance, résultat d'agissements occultes, n'est pas un phénomène spirituel neutre. C'est plutôt de l'occultisme. Le second sens ou la cryptesthésie sensorielle. Hein, quand je dis, j'ai un second sens. C'est-à-dire, j'ai un quatrième sens même. Il existe une autre variété de télépathie, la cryptesthésie sensorielle, qui est une méthode de diagnostic irrationnel. La cryptesthésie sensorielle. Qu'est-ce que la cryptesthésie sensorielle? Une méthode de diagnostic irrationnel. Et vous allez redonner cette définition à la fin de votre leçon. Au cours de notre ministère pastoral, nous dit Kutkok, nous avons rencontré cette pratique sous diverses formes. Quelques exemples poseront pour nous le problème. Avant la guerre, c'est 25, page 65 et 66, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, un homme établi dans une ville universitaire de l'Allemagne de l'Est devint célèbre par la sûreté déconcertante des diagnostics. Pour identifier la maladie, il ne recourait aucunement à des tests médicaux, tels que percussion, ausculation, analyse des urines, des selles, analyse de sang, examen radiologique, électrocardiogramme, pas besoin. Il posait simplement sa main sur celle du malade, se concentrait, donnait ensuite son diagnostic, qui correspondait rigoureusement à celui de la clinique universitaire dans tous les cas contrôlés. C'est ce qu'on appelle la cryptesthésie sensorielle. Il pose sa main, il sent, il réalise, c'est une maladie. Pour éprouver ses capacités, certains médecins cherchèrent plusieurs fois à l'induire en erreur. Ils ne parvinrent jamais. D'où lui venaient ses dons? Si c'est un don de l'esprit, comment on veut le détecter? Vous regardez le fruit de l'esprit et vous regardez qui cet homme élève et qu'est-ce qu'il fait avec ses dons. C26. Une autre méthode parapsychologique de diagnostic consiste à découvrir la maladie en examinant les cristallins du patient. Je connais un paysan de la forêt noire qui donne ainsi la consultation à ses clients. Contrairement à l'exemple de C25, son jugement n'est pas toujours sûr. Et là, on sait que cette pratique est occulte. C27. Depuis une vingtaine d'années, je suis au courant de la pratique maléfique de deux frères qui obtiennent des résultats étonnamment justes. Ils se concentrent seulement sans toucher le malade, puis ils prescrivent des médicaments homéopathiques, l'homéopathie. L'homéopathie, c'est une pratique suspecte. C28. Une quatrième manière de localiser une affection organique m'a été décrite par des radiesthésistes.
Ils m'ont expliqué à plusieurs reprises comment ils établissent leur diagnostic. On approche le pendule ou la baguette du corps du patient et l'objet fait un écart devant le siège du mal. Cas numéro 29. Une cinquième méthode consiste à utiliser le pendule pour sélectionner le médicament approprié. Et dans ce cas, il ne s'agit pas de détecter la maladie, mais de découvrir le remède spécifique. Et je connais un radiesthésiste réputé qui se livre simultanément à diverses activités occultes, spiritisme, guérison, magnétisme, etc. Il possède une caisse carrée de 225 casiers, 15 fois 15, contenant des médicaments divers et au-dessus de laquelle un pendule est placé. En avançant sa main, le malade fait osciller l'instrument et reçoit selon la réaction le remède qui convient. De l'occultisme. Très dangereux. Enfin, C30, une sixième méthode, on manie un pendule sur une reproduction du corps humain et de ses divers organes, tandis que la main gauche du manipulateur touche celle du patient. Sa main droite promène le pendule et celui-ci réagit au-dessus de la représentation de l'organe atteint. Et ce procédé est au fond semblable à celui utilisé en radiesthésie, de photographie. Il semblerait qu'il y avait un soi-disant homme de Dieu à Kinshasa pendant les années 90, 90, 80, qui consultait les gens après, à travers une photo. Vous pouvez dire tous les problèmes, santé, problèmes professionnels, c'est à partir de la photo. Cette consultation est occulte. Elle peut amener, elle peut causer des problèmes graves. C31. Un combattant de la Première Guerre mondiale, partiellement enseveli sous les décombres, fut rapidement dégagé. Le désir de se faire réformer et de toucher une rente déclencha une névrose de la rente. Accompagné des symptômes de paralysie à une jambe, son double vœu fut donc réalisé. Après la guerre, son état s'améliora rapidement, mais à chaque visite médicale, la claudication était plus forte que d'habitude. La paralysie ne devait pas régresser sous peine de perdre la rente. Effectivement, aujourd'hui, après 35 ans de non-usage, cette jambe présente les signes évidents d'une atrophie par inactivité. Ici, j'ai déjà vu une personne a prié sur elle pour être guérie. Mais puis, quand cette personne qui était paralysée s'est mise debout, commençait à marcher, elle dit: Ah, je vais perdre tous les avantages financiers et sociaux qu'on me donne par le gouvernement. Et s'est rassis et ne s'est plus jamais relevé. Cette pensée était devenue comme une pensée occulte. C32. Au cours d'une semaine biblique, une jeune fille de 19 ans se confie à moi. Elle se plaignait de dépression, de manque de joie, d'étranges sensations la nuit, comme si quelqu'un voulait lui couper la respiration. Le relâchement dans la prière, malgré son désir de suivre Jésus, le dégoût de toute activité religieuse. Elle ne se comprenait pas elle-même, car elle sentait d'une part une attirance vers le Seigneur, d'autre part, une répugnance à son égard. Un examen du passé, au point de vue médical, s'approchant, n'apportant aucun éclaircissement. Ça, c'est l'anamnèse médicale. À l'exception de ses ennuis psychiques, cette jeune fille était en parfaite santé, sans aucune trace de trouble organique ou nerveux. Elle n'avait pas non plus connu d'épreuves bouleversantes, ni de déceptions sentimentales, par exemple. Sa mélancolie s'était d'abord manifestée durant sa scolarité. Ses patients, comme ses frères et sœurs, sont en bonne santé et aucun membre de la famille n'a jamais été dépressif. Le cas de cette jeune fille était unique. En faisant l'anamnèse du point de vue des relations occultes, le nœud du problème apparut. La jeune écolière, elle manquait d'appétit. Sa mère la conduisit plusieurs fois chez un guérisseur qui avait cherché à localiser le mal à l'aide d'un pendule
Et la jeune fille se rappela que sa mélancolie s'était déclarée à cette époque. Il y a donc un rapport entre la pratique que nous appelons ici, n'est-ce pas? Et c'est très important de mettre le doigt sur le problème, cette pratique, n'est-ce pas, que nous avons analysée ensemble avec vous et que vous devez connaître, comprendre, des cryptesthésies sensorielles utilisant le pendule pour aider les malades, aider à détecter la maladie et même à trouver les médicaments, et la dépression de la fille. C'est très important. Et même sa haine contre Dieu. Tous ces exemples que nous venons de voir, conclus par ce dernier exemple, c'est 32, nous donnent une bonne documentation qui nous permet de voir que la cure d'âme, la thérapie pastorale pour la délivrance des gens pris par le phénomène occulte tel que la cryptesthésie sensorielle est très très utile. Comme pasteur, comme serviteur de Dieu, vous avez à votre disposition une science solide qui vous permet de libérer les captifs pris par n'importe quel phénomène occulte. Ne négligez pas ces dons. Utilisez-les avec beaucoup de prudence, de sagesse, d'intelligence, sous l'inspiration du Saint-Esprit, au nom de Jésus et pour et dans la gloire du Père.